Aujourd'hui, dans cette découverte de 64 à 81, ça nous se rapproche de nous, hein, de ce que serait l'art contemporain et de la transformation qui opère sur l'art. J'ai déjà dit, on est dans le troisième épisode, que je me basais sur une remarque de Catherine Millet qui parlait de polarité comme un aimant de choses qui seraient en tension les unes avec les autres. Et on pourrait penser que Bacon est l'exemple absolu d'une tension, à la fois parce que il y a beaucoup de violence dans les images qu'il représente, qu'elles soient basées sur des choses qui lui sont arrivées ou des choses qu'il a vues. On va voir que c'est justement pas toujours des choses qu'il connaît, c'est des choses qu'il emprunte, qu'il mélange, qu'il recouvre. Et ce jeu de transformation, ben, ça fait partie du jeu, justement. Et la tension chez Bacon, la tension, elle est dans le fait que ça soit figuratif, que ça ressemble à quelque chose et qu'en même temps que ça soit pas illustratif, que ça soit pas être en train d'un petit jeu rigolo. Il suffit d'avoir cette espèce de forme monstrueuse avec un brassard nazi et deux témoins à la barre pour voir que l'image est loin d'être innocente et que dans notre début de découverte de 64 à 81, cette période du contemporain vraiment, si on va vite, je parle cette semaine de l'institutionnalisation, c'est-à-dire tous les gens qui sont des rebelles, qui transforment l'art depuis l'époque des romantiques, 1800, qui mettent la table à plat en retirant tout ce qui allait avant, eh ben, tous ces gens-là, finalement, sont récupérés, en montrés, exposés. Ça ne veut pas dire que leur message perd de sa force. Et par ailleurs, ça m'importait de commencer par ça, j'ai montré comment le cinéma devenait un art, comment il était reconnu comme tel. Et bah comme toutes les artifications, comme toutes les récupérations, on a toujours une tension à l'intérieur de ceux qui sont outsiders, qui sont à l'extérieur, qui ne veulent pas être reconnus par l'institution, ou de ceux qui savent que l'institution va être un moyen de diffusion plus grand de l'art. Et il y a toujours entre les deux cette tristesse, en un sens. On ne peut pas être rebelle professionnel et on ne peut pas être à la marge et reconnu, diffusé. Voilà, il s'agit continuellement pour l'art moderne d'être dans cette question, c'est-à-dire l'art moderne, ça, contre le goût bourgeois, contre la représentation, contre la façon de montrer les choses, contre le beau plus ou moins, mais petit à petit. L'art contemporain qui commence, j'ai dit dans les épisodes de la deuxième époque, les confinements, c'est le sixième qui est le plus difficile, ça augmente. Mais on a vu comment c'était une transition dans ces années 30-40, comment la modernité n'était plus ce jeu de mettre à plat tout ce qu'il y avait avant. Et je vais m'intéresser à un sculpteur anglais, puisqu'on va aller en Angleterre. On a pensé longtemps qu'il n'y avait pas de grands artistes anglais depuis Turner, avec Henry Moore et Francis Bacon. On va voir, il y a un passage, tiens, ça me fait une note pour plus tard. Il y a plusieurs fois, j'ai vu des comparaisons entre le travail du jeune David Hockney et Francis Bacon, et voilà une façon, soit un musée ou une galerie nous montrera ça en montrant les peintures côte à côte, soit ça peut être une façon pour vous de faire du commissariat à la maison. Vous prenez deux livres à la bibliothèque, puis vous ouvrez les pages côte à côte. Hockney, Bacon, le rapprochement, les figures de jeunesse de Hockney font énormément penser aux défigurations de Bacon. La tension qui fait que la modernité, c'était la table rase, on est en train de voir que dans le contemporain, si on va vite, les années 60, 70 qu'on est en train de regarder, 67, 64, je vais commencer régulièrement dès lundi prochain, et les années 80 qui inventent le mot d'art contemporain, c'est le marché qui explose et qui fait qu'on vend ces œuvres, qu'elles sont reconnues comme telles et admises comme telles. Et que quelqu'un de la puissance de dérangement de Bacon, qui fait une peinture qui s'adresse au nerf, en fait, qui est là pour nous déranger, peut être exposé de son vivant au Grand Palais à Paris, aux États-Unis, en Angleterre. Finalement, cette institutionnalisation, c'est un peu la première partie de cette semaine, c'est-à-dire comment le cinéma, comment hier Sam Francis, des artistes qui viennent de la modernité, continuent leur travail. Et je voulais aussi commencer en montrant que l'art contemporain, c'était aussi de la peinture, aussi un travail sur les images, très très simple, dans l'optique de ce qui était avant. Et finalement, une continuelle tension la plus importante dans ce qu'on va voir tout le temps. C'est que l'art contemporain regarde beaucoup l'histoire qui l'a précédé. C'est ce qu'on peut lui reconnaître comme vertu et lui faire comme reproche, c'est que c'est un art très référentiel. Puisque vous avez compris que contemporain, là aussi, l'introduction du livre de Catherine Millet, ce n'est pas parce qu'ils sont vivants qu'ils sont contemporains. C'est une formule qui naît dans les années 80, qui n'existe plus aujourd'hui, qui correspond à une période.
Et il s'agit pour eux d'être tout le temps dans un jeu avec l'histoire. Et on va voir qu'une des polarités la plus forte chez Bacon, c'est ce regard sur l'histoire de l'art, si vous connaissez les papes, mais sur les lectures, l'exposition à Beaubourg qui s'est terminée l'an dernier sur Conrad, sur Nietzsche, sur Eschyle, toutes ces lectures, les photos, le cinéma, tout va jouer comme une espèce de chose qui l'emmène hors de la peinture et qui le ramène dans la peinture. Cette tension, elle est continuelle chez lui entre représenter la réalité dans une époque, comme pour Henry Moore, que voici, où l'abstrait domine. En fait. L'abstrait est devenu, dans les années 30-50, le grand langage de l'art international qu'on retrouve dans l'architecture, dans la sculpture. Et chez Henry Moore, il y a un jeu qui est tout à fait passionnant. Si vous ne le connaissez pas, je suis très heureux de vous le faire découvrir. C'est la vertu d'être prof. Voilà, à Ontario, une salle qui lui est entièrement dédiée. Il est, si on va vite et que vous devez vous endormir, à la frontière de l'abstraction et de la figuration, cette différence, on pourrait l'appeler tension, est très opérante. Elle marche bien à cette époque-là, et puis aujourd'hui, elle ne marche plus tellement. C'est plus le sujet de savoir si on représente la réalité ou si on la chasse. C'est plus compliqué que ça. C'est pas ça qui fait une image, on va dire ça comme ça, mais ça nous emmènerait au prochain confinement. Ça vient vite, vous allez me dire. Mais quand même, Henry Moore travaille plutôt. Alors, il vient d'Angleterre, il est très proche de la terre et des matériaux, donc il va travailler le bois, ce qu'on voit autour de lui dans son atelier, et toujours travailler avec une forme qui a l'air d'être comme dans une cosse à l'intérieur d'une autre forme emprisonnée. Je me suis appuyé sur un petit livre tout à fait passionnant, puisque mon talentueux collègue Raphaël Thiberguin, qui est prof de sculpture volume, m'avait commandé dans un cours de venir parler de quelques extraits qu'il avait choisis lui, et c'est cela que j'ai repris, parce qu'il y a un lien avec Bacon sur lequel je vais développer plus. Voilà, la figure humaine, on pourrait s'attendre à ce que dans ces années 30-50, il n'y ait plus de figure humaine, elle a presque disparu. C'est ce qui m'intéresse le plus profondément. Voilà, c'est la première des tensions que j'ai à décrire cette semaine, c'est que finalement, la table rase moderne n'est plus opérante dans l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réduire à néant tout ce qui était avant, il s'agit de créer un laboratoire d'expérience, de réflexion du spectateur qui le bouscule. Alors on va voir la semaine prochaine qu'il y en a qui vont assez fort dans l'art conceptuel, dans la performance physique, effectivement. Et là, j'ai pris des exemples qui sont plutôt sages. Je disais de Buñuel de Main et de la façon dont les musées vont se transformer avec la pensée de Malraux. Donc ça reste l'institution, comment elle va avaler ces grands auteurs que sont Bacon, Moore, hier Sam Francis, les exposés de leur vivant jusque dans les années 70. Henry Moore meurt en 1986, qui va travailler très très longtemps, il est né en 1898. La figure humaine est ce qui m'intéresse le plus profondément, et j'ai découvert des principes de forme et de rythme en étudiant des objets naturels, des galets, des eaux, des rochers, des arbres. Pourquoi il regarde ça? Alors, on pourrait retrouver, il y a une merveilleuse historienne de l'art qui s'appelle Guitmi Maldonado, qui s'est intéressée à la biomorphie, comment les formes de la vie fabrique un répertoire qui va nourrir l'abstraction européenne et américaine. C'est un angle de vue qui est très intéressant. Il faudrait que je fasse une petite émission rien que sur les livres. Les galets, les rochers nous montrent comment la nature travaille la pierre. Et ça, c'est quelque chose qui va intéresser Bacon, c'est-à-dire comment la torsion à l'intérieur d'une figure peut. Comment la structure entre le squelette, la chair, comment à l'intérieur d'un dessin, la construction du dessin et sa forme extérieure. Comment par la peinture, la pâte par rapport à la couleur vont créer une espèce de. Alors le terme parle au bricoleur, gauchir, vous savez, quand une forme reste pas droite, comment il y a une espèce de torsion naturelle qui se fait et qui n'est pas naturelle. C'est ça qui va passionner Henry Moore et qu'on retrouve dans la suite des artistes du surréalisme. Les galets polis par la mer nous montrent comment la pierre peut être usée, frottée. Vous avez peut-être un souvenir d'une remarque de Duchamp qui ne veut pas chercher des choses jolies comme ça, et c'est comme ça qu'il va utiliser des pissotières toutes faites pour pas aller sur le joli, justement pas aller sur une forme qui est embellie par le travail de la nature. C'est ce qui va passionner Henry Moore. J'ai envie de vous montrer au début des formes qui font penser à des eaux. Il a fait beaucoup d'œuvres d'art public. Là, on est aux États-Unis, en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, 1963. Ce principe de vrille, j'ai eu un élève kiné qui m'avait appris
Depuis, j'ai pas vérifié, mais qu'un os commence dans un axe et ne finit jamais dans le même axe, il y a une espèce de jeu de torsion et de compensation. Même si c'est faux, c'est tellement beau que je garde l'idée. Merci, Denis. Et puis, un jeu chez Henry Moore, même dans les premières sculptures, on dirait des os, on dirait des morceaux de squelette qui sont à la fois polis, mais qui sont aussi, par le jeu des coupures et des ouvertures, des sortes d'arêtes très nettes, très dérangeantes pour l'œil, qui cohabitent avec cette espèce de douceur. Vous voyez, la forme ouverte va ouvrir et se refermer doucement. Un jeu de vide et de plein, qui sont de courbes, de droites, de remplissage et de pas remplissage, qui va même jouer avec son voisin, avec l'environnement qui est autour. Il y a un vide qui fait qu'on voit autour. C'est la difficulté de l'art public aussi, c'est que derrière, il peut y avoir un moche building, mais c'est le jeu d'être dehors, d'interpeller le monde par sa dimension. Et là, la sculpture va être très marquée au XXe siècle par cette dimension monumentale. Elle va pouvoir travailler sur des grands, grands formats. Les os ont une puissance structurelle merveilleuse, une tension, une dureté, et en même temps une transition subtile entre une forme et une autre. Voilà, il y a un passage très, très beau de l'un à l'autre. Donc on a des formes qui semblent être des os, mais aussi des personnages qui pourraient faire penser à ce que fait oui, des surréalistes comme Miro, comme Tanguy en peinture. Et dans ce jeu de tension et de transition douce, il y a en plus ce jeu de découpe avec le paysage qui est autour, qui ne marche pas très fort là, mais qui marche différemment ici avec la même pièce en bronze l'une et pas l'autre. Et moins devant l'hôtel de ville de Landerneau. Mais c'est ça qui est intéressant. La sculpture sort, n'a plus de socle, vous l'avez vu, on l'avait déjà dit. Elle joue avec son environnement jusqu'à faire une ombre dessus. Et elle joue évidemment avec les pièces les unes par rapport aux autres. Il y a une tension qui se joue entre cette pièce-là et celle qui est derrière. Ça va passionner Bacon, j'ai pas perdu mon fil. Le rapport entre le décor et la figure qui est devant, le rapport entre. Et souvent les figures sont uniques parce que Bacon le dit lui-même, si je mets deux, trois personnages, ça commence à être une histoire et c'est ennuyeux. Il va travailler sur des personnages uniques, non pas pour suggérer leur solitude, mais aussi pour penser ce rapport forme-fond, figure, détachement de la figure qu'on voit à l'œuvre dans le travail de Henry Moore. Alors, la quatrième chose que je peux dire d'Henry Moore qui est passionnante, c'est ce jeu d'équilibre, aussi de force puissante, de pression qui tient bien avec un beau polygone de sustentation qui fait que même bourré, tu pourrais tenir debout, mais qui est un jeu de vide entre deux formes qui s'approchent les unes des autres et qui ont l'air de basculer. On est loin de l'os, en un sens. On est dans quelque chose que Giacometti a fait un peu de tension entre le vide que dessine le plein et qu'on retrouve ici, hein, vous voyez. Cette transition d'un morceau à un autre est au cœur de son travail, mais aussi dans le jeu de l'environnement. De réponse d'une forme à une autre. On peut encore y voir, là ce sont des figures inclinées, on peut y voir pas, un personnage allongé, un autre prosterné peut-être, ou quelque chose d'un bonhomme qui donne un coup de pied, ou inventé en fait. Et là, on est au cœur d'une distinction figuration-abstraction qui est plus très opérante en un sens. Et si vous connaissez le travail de jeunesse de Philippe Lejeune, c'est une peinture. De Cremonini, évidemment, qui travaille sur des formes abstraites qui sont très, très influencées par la sculpture d'Henry Moore. On va voir ses dessins juste après. Voilà des vides qui font qu'une figure inclinée, on reconnaît encore un peu une dame, sa poitrine, son coude, son ventre et ses jambes, mais que, vu de l'autre côté, on dirait un macaroni allongé. Par contre, le travail du socle est important, c'est-à-dire le contraste entre cette forme polie et ce bois brut. Voilà, cette disparition. De la figure par le vide, par le fait qu'il y ait plus de vide que de bonhomme, un peu comme pour le gruyère, vous savez, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère quand même. Cette forme qui crie est évidemment inspirée de Picasso, c'est-à-dire de forme filiforme. On a toutes les femmes à la plage des années 30 de Picasso qui se retrouvent dans ce travail-là et qui, là aussi, est l'artiste absolument influenceur de Bacon. J'en viens, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du mauvais esprit pour me faire remarquer, et c'est une hypothèse audacieuse, personne ne va être d'accord, mais je vais le faire quand même, c'est que, et si des artistes étaient importants, ils ne seraient pas très intéressants, ils seraient pas très. L'histoire ne retiendrait pas leur nom parce que finalement c'est assez vu,
Mais ils étaient importants parce qu'on les retrouve très souvent dans le travail d'autres artistes, très, comme une sorte d'influence nécessaire. Et si je dis ça sur Picasso, tout le monde tombe de sa chaise. Voilà, je trouve qu'il y a tout un pan du travail de Picasso qui demande à être vu du point de vue de la réception. Et je vais vous donner un exemple encore plus spectaculaire. Le travail de Bacon, de Henry Moore, quand on tourne autour, change énormément. Il devient presque menaçant. Et quelquefois, il redevient complètement figuratif. Une dernière chose sur Henry Moore, parce que ses notes sur la sculpture, elles sont merveilleuses. L'observation des objets naturels et de mon index de la nature fait partie de la vie de l'artiste. Elle enrichit sa connaissance de la forme, lui garde sa fraîcheur, lui évite de ne travailler que d'après des formules. Un retour à quelque chose qui a l'air d'être un métier presque à l'ancienne. Et vous voyez la dimension, et c'est Claude Simon, qui est l'écrivain merveilleux, qui est en train de visiter une expo à Toronto, où la dimension et la hauteur de la pièce va compter. Un jeu sur le corps, sur la famille, mais j'en viens au dessin qu'on connaît moins, où il va beaucoup travailler sur des arbres, troncs d'arbres, nous enseigne des principes de croissance, parce que les sculpteurs ont quelque chose qui leur est particulier, les pauvres, moi qui suis peintre, c'est-à-dire ils s'intéressent au centre de gravité et à la façon dont la forme vient de l'intérieur. Peintre, ça ne les intéresse pas, c'est plutôt la forme extérieure, comment elle se dissout, comment elle disparaît. Je transpose, ça se casserait la gueule en sculpture. Il faut quand même que ça tienne. Même si c'est mou et que ça tombe, il faut que ça ait une structure. Le dessin d'un sculpteur et d'un peintre ne sont pas du tout de même nature, hein, parce qu'ils n'ont pas la même intention. Voilà. Une puissance des articulations pour passer d'une partie à l'autre. Voilà. L'enchaînement des formes, c'est ça qui intéresse Henry Moore. C'est pour ça que les dessins d'Henry Moore d'arbres, d'os plus tard, et étonnamment, vous allez voir, de moutons, sont tout à fait passionnants. On pourrait y voir une sorte d'illustration simple qui plairait à Tim Burton pour créer une ambiance, mais c'est la façon dont l'os devient végétal et dont l'arbre devient un os, ou une forme, ou une forme d'intérieur. Voilà, des figures de personnages, et puis un truc passionnant, très difficile à faire. Non seulement les mains, mais toujours la façon dont une main entre dans une autre main et dont elle crée une forme supplémentaire. Finalement, ce sont des gammes dans ces dessins d'Henry Moore, mais plus que ça, une façon dont les formes construisent une nouvelle forme. Voilà l'intérêt pour les genoux et le passage du genou vers la jambe. Et pour sa femme qui dort avec cet abandon des bras. Et puis, quand on découvre des camps à un moment donné, cette façon dont la couverture fabrique une espèce de forme mortuaire et en même temps très vivante. Chez Henry Moore, il y a une variété de travail, de techniques, même le pastel, de dessin au trait, de reprise à partir de petits traits, de gamme de l'un à l'autre, voilà, un nombre illimité de formes et de rythmes, auxquels il ajoute le télescope et le microscope, ce qui fait qu'on a encore plus de choses à voir, ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, c'est la vie qui peut nous donner ces figures-là. Mais en plus, dernière chose sur Henry Moore, voilà la façon dont un petit vient se clipper sous sa mère, donne une espèce de forme, de biomorphe, de forme d'incrustation. Ce n'est pas la forme en elle-même qui l'intéresse, c'est la transition d'une forme à l'autre. Et on est au cœur de ce changement qui intéressait la modernité, mais dans une époque qui continue contemporaine, où ce travail va être au cœur d'une relecture de l'histoire de l'art et de l'histoire des formes. Je vais m'en expliquer. Henry Moore pour finir. Pourquoi Bacon? Déjà parce que dans ce système de tension que j'essaye de montrer, entre deux pôles différents, forts, Bacon grandit, il est irlandais d'origine, il grandit, il va traverser l'Europe, il va aller dans des endroits assez louches, à Berlin notamment assez tôt, à Paris assez tôt aussi, parce que sa vie est un peu de ce type-là, et que sa vie va compter dans son travail, évidemment, même si j'aime pas beaucoup le faire, mais là, on va en voir des exemples assez marquants. Il vient à la peinture assez tard, il est en tout cas dès le début très curieux de l'histoire de l'art. Et vous, si vous connaissez un peu son travail, et je vais montrer un petit peu les papes, je vais pas montrer, je vais pas décrypter beaucoup d'œuvres, je vais regarder comment hein, finalement ce que je cherche à montrer, c'est Bacon lit beaucoup, voit beaucoup de peintures, travaille sur des supports qui fait que c'est tout sauf instinctif qu'il fait. Et que pourtant, ce qu'il veut nous transmettre de puissant, une peinture qui s'adresse au nerf directement, qui soit pas trop réfléchie, qui soit un truc brut par le format, mais aussi
par la puissance de la couleur, par la défiguration. Cette peinture-là, elle n'est pas facile à faire quand on sait beaucoup de choses. Quand on est aussi cultivé que ça, on peut passer pour un mauvais garçon, alcoolique, violent, c'est son cas. Mais ce n'est pas que ça, c'est une construction qui est complexe et qui donc crée deux pôles entre je sais trop de trucs et je fais à l'instant. On va le voir en vidéo en train d'en parler justement, c'est tout à fait passionnant. Le Velázquez qu'on n'a pas vu ensemble, c'est le peintre de la cour qui va, dans ce chef-d'œuvre absolu d'Eménine, faire une image qui est le début de la modernité, bien avant Manet, Manet qui va l'admirer. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui nous regardent, nous, spectateurs, avec un peintre qui nous regarde, nous, spectateurs, ben, ce n'est pas nous qui sommes en train d'être peints, puisqu'il y a en plus le surveillant général qui est en train de descendre l'escalier pour regarder les gens qui nous regardent. Non, nous, on est le roi et la reine qui sont en miroir, dans le fond, en train d'être portraiture. Ce qui sert de modèle de description de la modernité à Michel Foucault dans Les mots et les choses. Dans le livre est assez compliqué, mais l'intro est bien. Lisez ça si vous avez l'occasion. C'est-à-dire, on est dans un jeu de miroir, c'est le cas de le dire, comme dans le bar aux Folies Bergères de Manet, justement, même état d'esprit. Si Foucault s'intéresse à Manet aussi, ce n'est pas du tout par hasard, les deux sont passionnants. Chez Velázquez, il y a un jeu à la fois de décalage par rapport à ce qu'on voit, c'est ça qui le rend moderne, mais aussi dans la façon de jouer avec l'image dans l'image de déformation. Et là, on comprend que ça puisse passionner Bacon quand on va voir ce qu'il va produire. Les Velázquez, on est en 1620, ouais, une grande virtuosité dans la façon de faire surgir du noir dans l'esprit de Caravage qui était juste avant, les matières merveilleuses de précision. Et la simplicité des gens, des tissus, des objets, qui n'étaient pas tellement montrés, hein, qui va devenir la mode dans le XVIIe siècle hollandais, espagnol, pas de la même façon. Et donc dans une sobriété d'utilisation de la couleur qui est très forte, qui ressemble, quand on y pense, à ce que fait Bacon. Voilà, Gongora, qui est le grand auteur de cette époque-là, 1622. Voilà, pas forcément mettre les gens en valeur, c'est le cas de le dire, travailler sur ce qui entoure la cour, le bouffon, qui a à la fois ses mains un peu épileptiques, ce regard un peu tordu, et puis cette bouche qui n'est pas symétrique, à quelque chose qui est une espèce de douceur, de gentillesse, et en même temps de tension puissante. Et donc on comprend que ça peut passionner Bacon. Je veux en venir par là que on ne peut pas, il me semble, seulement voir dans Bacon. Celui qui peint l'atrocité, celui qui peint la difformité, ça l'intéresse. Il va en jouer et je pense quelquefois qu'on pourrait faire des réserves sur le surjeu, en fait, d'en faire beaucoup dans la façon de montrer du monstrueux. Mais quand il trouve l'équilibre entre la simplicité de la présentation générale, du rapport au fond, à l'image, comme ici d'ailleurs, on a beaucoup de détails, beaucoup de préciosité. Dans un fond qui est très fort, très puissant, et ben, dans ce cas-là, Bacon aussi fonctionne très bien. Là, on peut toujours trouver que le prince Prosper a l'air un peu trop sage, il a des éléments autour de lui qui ont l'air un peu déjà agités, on peut y voir une image de puissance, ça peut suffire, et c'est sans doute comme ça que ça a été fait et produit, mais pour nous, cette espèce de grand trou vide, de torsion de la couverture qui vient jusqu'au bras, c'est déjà une merveille de composition de l'image, elle est plus compliquée que prévu. Le pied qui s'avance, même chose sur la carpette qui vient pas tout à fait en bord de cadre y répondre. On a des espèces de jeux de tension légère qui dynamisent la composition et qui va pour Bacon être l'occasion. Ça, c'est une copie d'un tableau qui a été perdu de Velázquez, mais le fait que ce soit une copie lui donne une espèce de brutalité qui me fait penser à ce qu'on va voir de Bacon. Il regarde aussi de la peinture allemande et ce jeu de moquerie du Christ, de lapidation avec des épisodes un peu farces, un peu picaresques qui accentuent ça. Il va aussi beaucoup lire, je disais Conrad, Nietzsche, Eschyle, qui va beaucoup, beaucoup le marquer et qu'on va retrouver. Je lisais quelque part que une des choses qu'on retrouve le plus dans le travail dans ce qu'a lu Bacon d'Eschyle, c'est que. C'est une citation, je vais essayer de la dire de tête, c'est j'ai l'odeur du sang qui m'apparaît en plein dans les yeux, qu'on retrouve dans une des pièces d'Eschyle. Le Bacon de jeunesse, il a peint très tard, 31 ans, il a détruit beaucoup de ses œuvres,
Et il est surtout, c'est peu connu, designer au début en Angleterre. Un tapis fait par lui, des objets faits par lui, on n'a pas beaucoup. Hein. Vous avez un site très bien fait de la Fondation Bacon, une table à miroir dont le temps a commencé à grignoter la surface et qui est bien dans l'esprit de Bacon finalement. Ce Bacon va faire une exposition. Il y a une très chouette BD qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi j'ai pris ce support-là? Parce qu'il va exposer ses peintures, ces petites peintures-là qui sont de ses débuts. On n'en a que quelques-unes. Deux dessins, cinq peintures, quelque chose comme ça. Il va inviter les gens de l'agence et ça ne va pas marcher du tout. Le retour presse va être très, très mauvais. Par contre, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que en 1934, quand il expose dans la Sunderland House, qui est la maison que possède son directeur de design, il va y inviter. Il travaille avec Henry Moore et peut-être vous avez un souvenir quand j'ai parlé du pop art anglais de Victor Passmore, qui est ce sculpteur qui travaille sur une sorte de béton comme des rochers. Toute cette biosphère va se retrouver en Angleterre à commencer à se détacher du travail de Picasso et à aller vers autre chose. Alors la première surprise que je voudrais vous partager, c'est que cette peinture de Bacon, qui est une sorte de porte avancée tenue, je lis sur la fondation Bacon qu'elle est très inspirée par cette petite peinture. Je n'avais pas trouvé d'autre plus forte qui s'appelle L'Arcachon de Jean Lurçat. Et là, si vous ne connaissez pas le monsieur, je vais vous le faire assez direct. Jean Lurçat, c'est celui qui a envahi avec des tapisseries redoutables toute avant-guerre, après-guerre, partout en France. Partout, partout. Et donc, pour vous punir, si vous ne le connaissez pas, j'en ai mis ici. Je me suis dit, mais comment je me retrouve dans des situations incroyables à montrer du Jean Lurçat, quand même d'une. On va dire chacun mon goût, mais voilà. Comme on dit quand on est bien élevé, ce n'est pas mon esthétique, si vous permettez que je dise ça comme ça. Par contre, et j'en viens à ma remarque de tout à l'heure et au cœur de ma première semaine d'institutionnalisation et de qu'est-ce que c'est que l'art contemporain, et si on retournait l'histoire à l'envers et que le Jean Lurçat, qui est un maître dans la tapisserie, il va avoir l'idée de travailler des très grands formats, pouvoir circuler ses tapisseries partout, parce que c'est un système de. D'images multipliables qui peut se retrouver partout, c'est pour ça qu'on en a mangé partout et que l'idée d'ailleurs est très bonne, de pouvoir partager de l'art partout. Il va aussi avoir l'idée de travailler comme un peintre abstrait, quelquefois directement sans carton, sans préalable, ce que vous avez peut-être en souvenir, Asger Jorn avait fait très facilement, c'est-à-dire travailler en brut, comme si tu prenais le tissu et que tu couses pour faire du dessin. Et je me dis, et si pour le prof d'histoire de l'art et vous réunis, et si on pouvait, et si l'art contemporain, en examinant de l'histoire passée, nous faisait voir autrement et mieux un artiste qui, je suis vache exprès, ne m'intéresse pas, mais qui se met à m'intéresser quand je vois que cet Arcachon inspire le Bacon. Et si la continuité des artistes était une façon de relire autrement, à l'envers, l'histoire passée, et de dire, tiens, finalement. Ou alors on peut en conclure que ça ne m'intéresse pas et que ça ne m'intéresse pas non plus, c'est possible. Par contre, ses voisins et la façon dont un artiste se révèle à son propre travail et le découvre et le partage, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que finalement, la façon dont Lurçat travaille, c'est aussi par grandes zones et par un dessin qui est très flottant, qui est tout à fait redoutable parce qu'il est très surjoué. En fait, il y a beaucoup d'effets de partout, on ne sait plus où s'arrêter. Et dans cette image, dans cette mise en scène d'une des dernières expos. Qui a montré le travail de Jean Lurçat, que j'ai vraiment très évidemment évité d'aller voir, on voit comment tout est spectaculaire. On peut pas, on est obligé d'avoir une sorte d'espace très neutre pour laisser le travail se déployer. Voilà, aussi dans ce même esprit, quand on les met côte à côte, je me suis dit, tiens, c'est vrai, une des rares crucifixions de 1933 de Bacon, c'est quand même à la fois la leçon de Picasso, les formes simples, presque le squelette, à la fois. Ce qu'on a compris de Henry Moore, c'est-à-dire la structure intérieure est tout aussi importante que la peinture, encore plus sur ça, c'est-à-dire un jeu de graphisme qui vient aussi du surréalisme, de l'automatisme, et en même temps cette ombre un peu menaçante qui vient se poser sur le dessin. Et ce dessin dont on ne sait pas trop la trace, mais qui vraisemblablement était dans l'expo de 1934. Parce que le Bacon que vous imaginez, que vous avez peut-être vu quelque part, c'est celui d'un homme torturé, dont le travail est torturé et qui serait, quand on en voit son atelier, quelquefois il était reconstitué, une sorte
d'expression de cette perturbation mentale. C'est-à-dire d'un artiste qui travaille avec des pinceaux, ils viennent, c'est vraiment de son atelier, c'est dans l'inventaire de sa fondation, avec une palette dans une assiette, peint, on pourrait dire à la punk comme ça vient, avec tout un amas de choses qui seraient tout autour de lui, comme une espèce de désordre mental qui retranscrirait dans son travail. Je suis pas trop d'accord avec cette image-là parce qu'elle est un peu facile et que finalement, quand on regarde de près, je viens de commencer à montrer que l'histoire de l'art, ça parle beaucoup à, et l'histoire de la littérature à Bacon et il va y avoir d'autres choses à découvrir. Finalement, quand on regarde cette première trois crucifixions qui passionnent Bacon, il va avoir le travail de. Il y a dans l'histoire de l'art beaucoup de Christ en croix. Avec des visages de torsion et de douleur dans une certaine période de l'histoire de l'art, pas toujours. Quelquefois, on veut aussi montrer qu'il est assez heureux de cette fin, et on peut, quand on a mené à bien cette mission, voilà, quelque chose est libéré. C'est une période qui le montre sanguinolent. On est plutôt soit dans un Moyen Âge tardif, soit à la période baroque où l'or, le sang va devenir une sorte de décorum. C'est pas toujours le cas et c'est plutôt le travail de Grunewald, plutôt le travail de gens comme ça qui l'intéresse. Et quand on regarde cette peinture-là, on a un fond uni, on a un jeu de triptyque, comme le fait l'histoire de la peinture normale. Quelque chose qu'on va retrouver souvent, c'est-à-dire une structure derrière, comme on pourrait appeler ça un cube scénique, c'est-à-dire un espace tracé en perspective qui donne l'impression d'un volume au sol et au-dessus et dans le fond, sous forme de trait simple, que vous avez peut-être en mémoire d'hier avec Matisse, qui se retrouve très, très fréquemment. Mais ce jeu des personnages crucifiés, ils sont trois tableaux qui se répondent, une continuité par le fond, avec des lignes qui se répondent aussi de l'un à l'autre. Voilà, celle-ci passe dans l'ensemble. Des gueules qui crient avec des dents pas Dieu, ou des visages en train d'hurler. Vous pouvez vous sentir tout à fait mal à l'aise face à une sorte de pression. De monstrueuse, de quelque chose qu'on ne veut pas voir, et ce jeu de pas voir est dans l'abandon des yeux, il n'y en a plus, hein, nulle part, et dans le fait que ces formes qui sont travaillées comme Henry Moore, avec du dessin en dessous, mais qui est un peu masqué, un peu disparu, qui réapparaît par endroits, voilà, c'est la meilleure façon de faire sentir l'ossature, c'est de la masquer mal. On pourrait penser qu'il y a seulement quelque chose de la torsion et de la douleur, et que Bacon cherche à exprimer quelque chose comme ça. Finalement, ce qui m'intéresse de montrer, parce que Bacon, ce qui est fou dans ces années 40, c'est que ben, on est en pleine abstraction américaine, on est dans l'abstrait. Choisir de peindre des personnages reconnaissables, choisir de s'appuyer sur l'histoire de l'art, c'est complètement à contre-courant. Il dira d'ailleurs, voyez les Pollock, quand on les regarde maintenant, c'est de la vieille dentelle. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est visage éclaté, corps monstrueusement disloqué, misérable égaré. L'inspiration cinéma vient du cuirassé Potemkin, c'est-à-dire notamment cette scène impressionnante du visage de la nourrice qui laisse tomber le landau et qui prend un projectile dans l'œil. On a une sorte de gros plan très puissant comme ça. On verra que chez Buñuel, demain sans doute, il y a des choses de cet ordre-là. Donc on pourrait penser que c'est juste la monstruosité montrée, mais il me semble que c'est plus compliqué que ça et qui fait que à l'intérieur de cette peinture, elle est très construite. Pensée et de plus en plus ensuite dans le rapport du fond avec le personnage, voilà sa découpe, le fait de le faire contourner comme ce qui intéresse Henry Moore, le fait de ne pas suivre tout à fait les traits de construction, il y a une espèce de maladresse voulue, de jeu avec le dessin qui disparaît avec une forme, là aussi on pourrait prendre du Henry Moore, oui, c'est assez doux cette forme noire et télescopé avec une forme très anguleuse de squelette de dents qui ressortent sur un fond très clair. Effectivement, les dents plus le visage bandé comme un condamné ajoutent à quelque chose de pression, mais finalement, c'est assez, surtout, je crois, composé, central, décalé, mais c'est sur la droite vers la gauche, et de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, tout est pensé pour jouer comme une sorte de scène qui voudrait se reconstituer. Sur la façon dont les meubles jouent, ils débordent ici ils sortent, mais ils n'ont pas des pieds identiques. Voilà, tout un tas d'éléments qui ne sont pas si instinctifs que ça, et qui, dans le meilleur Bacon, il me semble, jouent leur gêne visuel un peu comme des petites pointes de Henry Moore tout à l'heure. C'est agaçant à regarder.
Giacometti a une sculpture comme ça, objet gênant à regarder. C'est une pointe qui va toucher quelque chose et qui ne le touche pas. Il y a, quand Bacon arrive à faire disparaître ses procédés, ça devient extraordinaire. Ici, il est encore très présent de vouloir jouer cette forme contre l'abstraction et cette forme reconnaissable disloquée contre l'ensemble. Mais tout change ici avec ce deuxième exemple, c'est que cette toile de 49, on n'en a pas beaucoup, et vraisemblablement, alors on a du mal à l'identifier, parce que ça a été effacé par lui. Peindre, c'est aussi effacer. C'est Bob Rauschenberg qui nous l'avait appris. Finalement, il ne suffit pas de faire beaucoup, mais Giacometti, qu'admire beaucoup Bacon, est aussi dans cette optique-là. Alors on peut faire, retirer, revenir. On ne sait pas si c'est un autoportrait, parce que ce qu'on sait, c'est que le corps et la posture viennent d'une photo de singe qu'il a collectionnée, et c'est là où je vais en venir. Il y a un livre absolument passionnant à propos de Francis Bacon qui s'appelle In Camera, qui inventorie toutes les références sur lesquelles s'est appuyé Bacon. Et cet atelier en profusion abîmée qu'on retrouve partout, puisque beaucoup de ces photos qu'on va retrouver, photos de tauromachie, qui étaient dans la poubelle de son atelier parisien, et dont les images, on l'imagine bien, peuvent servir de contraste, de forme. Ça a l'air piqué de recopier. Même chose avec ces joueurs de cricket qui font des figures qui, sorties de leur contexte, deviennent une espèce de personnage de pantomime surprenante, et donc transposé tel que, on pourrait dire, tiens, oui, Bacon a transposé dans un autre univers, avec un prétexte toujours de tension, de torsion, de tauromachie, de crucifixion, de scène de meurtre. On pourrait penser qu'il a transposé l'un et l'autre, mais déjà, dire ça, c'est aussi voir que le Bacon en question n'est pas que dans l'instinct. Bacon, je ne peux pas développer plus longtemps parce que j'ai traîné sur Moore, des objets ramassés dans les poubelles, qu'il a lui-même déchirés, des masques, des photos d'animaux, des choses, parce que son intérêt pour cette peau, si on peut prendre ça ainsi, est-ce que l'histoire de la peinture, ce ne serait pas une sorte d'histoire de représentation de la peau, la peinture étant une peau elle-même, il les trouve dans des schémas, en venant à Paris, dans des petits livres de médecine sur les maladies de peau. J'imagine qu'en voir des images, vous ne plairez pas spécialement, mais vous voyez à quel point la façon dont les postures deviennent curieuses, et dont j'ai du champ qui me vient en tête avec des schémas scientifiques qui s'ajoutent aux lignes par-dessus, comment tout ce jeu de graphisme varié, la photo, l'image peinte, le corps, l'intérieur du corps, des schémas par-dessus avec des éléments à indicatifs, transforment l'image, la rendent plus riche. Et si je devais aller vite et conclure en une seconde, Bacon est contemporain parce que il part d'images pour travailler et que le travail sur les images est dans son travail. Et Picasso ne l'est pas, il est dans l'époque encore moderne parce que si Picasso travaillait avec des photos, il ne souhaiterait pas, je le fais parler malgré lui, qu'on le découvre. Il y a quelque chose du document qui est intégré dans l'ensemble du travail. Et je trouvais encore plus intéressant de voir, on l'a vu passer d'ailleurs, même si il y avait de tout, hein, mais même des soldats nazis dans ces décorums, une reproduction de son propre travail dans son propre atelier. À partir du moment où tout fait image et toutes les images vont nourrir le travail. Et vous voyez pourquoi j'ai montré le travail d'Henry Moore, c'est-à-dire cette imbrication de forme fait qu'on a un corps à trois pattes et que si on commence à voir une sorte de monstre à trois pattes en train de courir, ça le fait très bien. Voilà, le travail de Bacon, il est aussi, c'était mon deuxièmement, il est appuyé sur des références littéraires, historiques, picturales, mais il est aussi très pensé à partir d'images, à partir de supports différents. Et voilà pourquoi le travail très connu, je trouve pas ça le plus intéressant, si vous voulez bien que je fasse cette réserve, à partir du pape Innocent X de Velasquez, va donner ce travail de déformation, de défiguration de la peinture. Je ne trouve pas intéressant parce que je le trouve encore très proche du modèle. Et qu'en effet, quand je vois ce visage qui hurle, cette absence de tête, de yeux, ça donne une force très puissante à ce tableau qui est un chef-d'œuvre de Velázquez. C'est d'ailleurs très intéressant, on y reviendra, qu'une de ses peintures soit au Vatican, c'est-à-dire que la transformation du regard sur l'art avec ses ateliers d'art sacré dans les années 30 puis 40 en France, en Europe, cherche à s'appuyer pour relancer après la guerre le catholicisme, va s'appuyer sur des artistes récents
C'est un enjeu qui est très passionnant dans l'histoire de la sculpture, dans l'histoire de l'architecture et dans l'histoire de la peinture. Et donc, le fait que le pape lui-même au Vatican est un portrait du pape de Velázquez des années 50, c'est tout à fait passionnant. Mais je trouve que le jeu de défiguration est un peu fabriqué, si vous me permettez les réserves. Alors, c'est tout à fait cruel parce que je suis le seul à parler, donc si vous n'êtes pas d'accord, ça va être difficile. Mais la déformation des mains, la façon dont les éclats viennent en pétales tout autour. Tout est centralisé sur la figure, il n'y a pas de perte vraiment. Le jeu de striure vient peu masquer l'ensemble. Vous allez voir, je crois qu'il y a des chefs-d'œuvre chez Bacon qui sont très supérieurs à ça. Il rencontre George Dyer, qui va devenir son amant, qui est un mauvais garçon, un voyou faisant de la prison, il a passé plus de temps en prison que dehors, qui va fasciner Bacon, qui va aussi être ingérable. Et ils vont être à deux pour être ingérables. Tout à fait quelque chose de fusionnel, dont ce portrait qui était un petit chef-d'œuvre justement en triptyque de Georges Dyer, qu'on reconnaît bien d'ailleurs. Et le visage un peu dans la continuité du front et du nez, qu'on retrouve bien déformé ici, sur un fond noir, où le jeu de triptyque, encore un clin d'œil à l'histoire de l'art, mais on n'est plus dans des triptyques. Il n'y a pas beaucoup de tableaux de portraits qui sont en triptyque, il y en a quelques-uns, et c'est plutôt des rois d'ailleurs. C'est plutôt des figures importantes, ou dans la plus célèbre, une figure qui a été envoyée au Bernin pour qu'il puisse sculpter à partir d'une peinture. Mais c'est quand même tout à fait une niche. On ne fait pas un portrait par trois faces, on fait un portrait. Le jeu de réponse des images les unes aux autres vient de l'époque du travail en série, mais il n'est pas comme une série, comme Monet travaillerait des toiles, puis une meule de foin, puis une autre à différentes saisons. Il est un jeu de complément d'une peinture à une autre. Et une autre série de George Dyer qui est, voilà, on les reconnaît bien, hein, un jeu de forme, de détournement de la forme, d'obturation, comme si on avait tiré au pistolet dedans. Mais ce que je trouve passionnant, très supérieur là, c'est ce rose, en fait. On a quelque chose qui a l'air très tragique dans le fait que la figure à peine dessinée, à peine esquissée, il y a très peu de matière. En fait, ici, vous voyez, on est sur un tableau noir sur lequel il est venu effleurer, frotter, gratter, tordre le nez, remettre une griffure de couleur blanche qui va ressortir de façon plus tragique sur le fond foncé. Il n'y a pas plus contrasté qu'un clair enfoncé. Cet effet de contraste est moins fort. Quand on le regarde vite fait, hein, le petit rose fait un peu bonbon. Et c'est là où l'image devient plus complexe encore, puisque le rose passe dans le visage, le nourrit et en même temps l'exclut. Le rapport du fond et de la forme devient très passionnant chez Bacon et quand on regarde ces trois études pour une crucifixion, on voit que ce cube scénique se complexifie, il s'arrondit. Vous voyez, les trois se répondent. Les figures sont quelquefois très très dessinées. Deleuze va écrire un livre, ça va beaucoup l'intéresser, où il ne va pas parler de figuration, il va parler de figurale, c'est-à-dire on a une sorte de personnage qui apparaît comme un personnage, comme une carte, et qui est pas qu'une psychologie ou une étude d'un bonhomme ou d'un autre, avec ses formes qui sont toujours gênantes. À la Henry Moore, hein, on a l'impression que c'est deux côtelettes ou les pieds en avant du gars qui pose ou une tête de cheval défigurée. En tout cas, tout ce qu'il faut pour que ça soit gênant visuellement, c'est-à-dire du détail en même temps pas trop, des corps fondus et des corps découpés, des figures qui deviennent une forme unique, tout est fait pour être gênant. Ce lit qui est très très bien travaillé, et, un personnage qui devient une espèce de groupe de formes de figures. J'ai trop trop débordé, il faut que j'avance vite. Des ombres, beaucoup d'ombres chez Bacon qui fabriquent une forme simplifiée ici de bœuf écorché. Et ce qui devient passionnant, qui me permet d'aller encore plus loin dans cette idée que tout le travail de Bacon est beaucoup plus construit qu'on ne l'imagine, c'est qu'on parle à propos de ce travail sur les crucifixions, de cette répétition d'une forme, c'est qu'il ne s'agit pas d'un travail de culpabilité chrétienne ou de travail sur la mort et la disparition du corps, même si la viande intéresse beaucoup. Deleuze dit bien que c'est le point commun entre l'humain et l'animal, c'est la viande en fait, quelque chose de fort qui est présent. Non, ce qui m'intéresse, c'est de relever que la crucifixion, c'est une sorte d'armature en fait de travail. Il a un sujet, il a une structure qui lui permet de travailler à trois, de faire se répondre les images. Vous voyez comment le fond en noir passe dans l'un mais pas dans l'autre, et que finalement ces arrondis-là se retrouvent presque dans la tête de chien qui ressort en bas. Je dis de chien parce qu'on ne sait pas. Elle est moins inquiétante que les panards du devant, mais elle est tout aussi utile pour faire sortir l'image et pour la faire réapparaître dans la troisième. On a l'impression que ça passe comme ça et que ça descend ici et hop, ça repart de l'autre côté.
tout le travail de Bacon, c'est continuellement cette transformation. Dès 1963, une rétrospective anglaise. Et un texte de Laurence Alloway, si vous vous en souvenez, Alloway, qui est celui qui a participé au pop art anglais avec Hamilton et avec Peter Black. Reconnaissance par l'institution. C'est ça que je voulais raconter cette semaine. C'est que finalement, quelque chose de très dur, de très nouveau, n'est plus chassé, n'est plus quelque chose qui est repoussé par l'institution en disant « c'est horrible ». Elle va au contraire vouloir l'exposer. Voilà ce qui est le contemporain aussi. Et pourquoi cette question d'un musée d'art contemporain pose problème plus fort encore, c'est que la rétrospective peut avoir lieu de son vivant. Dans ces années 63-65, il va rencontrer Michel Léris, dont il va faire ce merveilleux portrait, dont certains disent que c'est le chef-d'œuvre de Bacon, et qui vient de Picasso, qui vient de la connaissance des surréalistes. Vous voyez, le sous-titre de la littérature considérée comme une tauromachie vont beaucoup s'apprécier. Et Bacon, et Léris va écrire sur Bacon. Je pourrais faire 2 heures dessus. C'est très, très passionnant, très facile à lire. Et il y a continuellement un jeu de polarité entre des objets mots. C'est-à-dire, Léris va inventer des mots qui s'appliquent à Bacon. C'est peut-être par le conflit entre exactitude documentaire et vérité picturale. Vous voyez, je peux faire la conclusion là-dessus. Tension continuelle entre deux trucs. C'est précis, documenté, c'est de la photo, copiée. Mais en même temps, il y a une présence picturale forte. Et Léris va même dire que c'est un des rares peintres qui fait que quand on est devant la toile, on a vraiment l'impression d'une présence physique. Sans doute la dimension, sans doute la simplicité du fond aussi, qui est très, très travaillée bellement, très, très simplement. Et frontalement aussi, avec ce cube scénique qui s'arrondit, tout est fait pour que ça soit très présent et en tension avec cette précision documentaire, alors que le fond, lui, ne l'est pas. Il est presque comme un papier peint incollé. Elle atteint son comble dans le cas du portrait, où l'art de peindre semble ne pouvoir pour lui s'accommoder que de la haute tension chauffée jusqu'à l'incandescence. Il me semble que ce qui est passionnant chez Bacon et qui en fait un artiste du contemporain, ce n'est pas qu'une tension d'un mal-être en lui qui est très présent, évidemment, son homosexualité, son rapport à la violence de ses parents, de la violence qu'il a subie ou qu'il a fabriquée, de l'alcoolisme. Voilà, tout ça compte dans ce travail, mais c'est la mise en tension d'éléments formels, photo, documentaire, peinture, format et pas format. Et on va écouter dans cette rétrospective qui a eu lieu il y a peu à Beaubourg, la visite guidée. Bonjour, je suis Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition Bacon en toutes lettres, qui se tient en ce moment au Centre Pompidou, et je vais, à travers quelques tableaux, vous rendre compte de cette exposition. Étape avec un poète qui est celui que Bacon disait connaître par cœur, T.S. Eliot, avec un poème en particulier que Bacon se plaît à réciter, qui lui inspire un certain nombre de tableaux, The Wasteland, la terre dévastée. Ici, on est dans un triptyque, face à un triptyque qui s'inspire, lui, d'un autre texte de Eliot qui est Sweeney Agonist. Et là, on a presque une représentation littérale qui suit le récit de ce poème. On y voit deux personnes à gauche qui sont désignées dans le poème comme deux prostituées qui vont être assassinées quelque temps plus tard au fil de la narration par un personnage qui les préviendra du danger qui les menace par un coup de téléphone, ce qu'on voit ici. On a ici un tableau de 1967, c'est-à-dire un tableau légèrement antérieur à la période qui nous intéresse, et ça nous permet de voir quel est le chemin parcouru par Francis Bacon. Ici, le coloris est encore complexe, riche, parfois même à la limite de la dissonance. Le dessin est encore approximatif, la peinture est encore en matière. Tout cela va disparaître dans les tableaux après 71 et on va aller vers des tableaux que Bacon lui-même qualifiera d'immaculés, c'est-à-dire pratiquement sans tache. Vous voyez comment il part d'une anecdote pas très joyeuse, mais comment il part de littérature. Dans les vidéos que vous pouvez retrouver où on voit Ottinger, T.S. Eliot, Nietzsche, Eschyle surtout. Voilà, The Wasteland de Eliot. Un grand lecteur, Bacon au Grand Palais, et pour finir sur une note très spectaculaire, dès 71-72, une rétrospective également, de son vivant, l'art contemporain est célébré,
Accident redoutable, tiens, un petit buffet, pièce de charolais, gratin dauphinois pour le recevoir, un petit reliquat Saint-Jacques 70, ça pourrait se boire. Le voici célébré et célèbre à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe cette fois-là? D'ailleurs, son amant, que voici ici, est retrouvé mort dans la chambre d'hôtel en 71 dans Paris. Et voici comment, j'ai essayé de le dire là, j'en conclus presque avec ça, je ne vais pas vous laisser sur une petite touche sombre, comment et en effet la violence qu'il vit, comment la tête renversée peut devenir à la fois le pied du guéridon et en même temps le sang qui coule, comment quelque chose de puissant comme ça peut montrer, faire comprendre le Bacon qui rentre dans la chambre d'hôtel, dans l'escalier, qui n'est déjà plus qu'une ombre et dont le bras est encore vivant pour ouvrir la pièce, mais dont il n'est plus qu'une ombre, coupable, qui se sent coupable, qui va travailler sur cette culpabilité avec un jeu sur les ombres très intéressant. Mais comment, dans tout ce travail, continuellement, il y a une référence à la littérature. Vous voyez cette ombre incroyable du triptyque de 73, qui est une sorte de chauve-souris, à nouveau avec d'ailleurs, qu'on a retrouvé avec une overdose de médicaments. Le voici, son visage aussi est une peinture en soi. Le travail sur Conrad qu'on retrouve dans cette grande peinture incroyable de 76, avec un intérêt pour l'oiseau qui dévore le foie d'Épiméthée, Prométhée, j'ai un doute, et cette passion pour Eschyle, les Euménides, qu'on retrouve également dans ces personnages qui sont comme des espèces de venus de Eschyle, de déchirement. C'est pour ça que j'aurais pu passer ces autres extraits où il précise comment est-ce qu'il travaille à partir de ces lectures-là, à la fois sur le tableau de Ingres, l'Oedipe roi, à la fois dans ses lectures de relecture de la tragédie chez Nietzsche, qui montre qu'il ne s'agit pas seulement, j'y viens encore une fois pour re-enfoncer le clou, la tragédie chez Nietzsche, ce n'est pas seulement ça tourne mal. C'est aussi une tension continuelle entre l'ordre et le désordre, entre un jeu de rire, de grotesque et d'horreur, un jeu entre des personnages rationnels et des personnages irrationnels, entre des animaux et d'autres. Et voici l'Oedipe et le Sphinx de Bacon, avec cette Euménide qui est la trace de la violence qu'on retrouve là. Et la vertu de l'exposition qui s'éclôt à Beaubourg. Comment, à l'intérieur même de la peinture, il ne s'agit pas seulement d'exprimer un doute, d'exprimer un mal-être, il y a quelque chose du contemporain dans la relecture de l'histoire de l'art, de la scène théâtrale elle-même, il va beaucoup influencer l'ensemble, et c'est ce qui passionne Deleuze dans ce livre, assez lisible d'ailleurs, comment à l'intérieur d'une sensation, comment quelque chose qui a l'air ressenti, il y a une tension même. On verra ça demain avec un autre grand tentateur et tensiomètre, Louis Buñuel. À demain.